Grand moment d'e-sport. Ça va être le lancement de la game. Alors que oui, les gens jouent avec le son. Comme d'habitude, le on son. On va se retrouver dans cette game incroyable. Allez, de l'eau, pitié, de l'eau. Ah oh là là, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte? Pitié, de l'eau. Alors, Arabie. Attends, Byzantin, Go, Mongol. T'avais sélectionné Arabie ou c'est juste... Ah non, c'est fait aléatoire complet. Eh ben, Arabie. Eh ben, ok. Aucune eau. Rien du tout. Aucune eau. Il n'y a pas eu de viking pour IPR, je crois. Non, il n'y a pas eu de viking. Alors, attends, j'ai pas vu du tout les civilisations là. Ah mince, j'ai pas vu. C'est pas grave, on a le temps. Oh, on a le temps, on a le temps. Ah oui, il y a de la musique. Ah, ça y va, la musique tatar au début, ça y va. Hein. Toujours sympa. Mais c'est la musique arabie en vrai, non? Non, c'est la musique des tatars, ça. Ah. On a toujours la petite musique de la civilisation au début. C'est où les arbres? Qu'est-ce qu'il veut? Ah bah sur Arabie, il n'y a pas d'arbres. Franchement, très peu. Partout, j'ai envie de dire. Ah mais tu sais, c'est des petits patchs. Donc ça qui est pénible sur Arabie, c'est qu'il faut vraiment faire plein de camps de bûcherons tout le temps. Est-ce que Hypierre est viking? Non, il est byzantin. Ah, il va rush merveille, c'est sûr. C'est sûr, il va rush merveille. Tu crois? Ouais, parce que je crois que les bâtiments byzantins, ils sont plus tanky. Genre, du coup, en fait, il va rush merveille. Ah, mais de toute façon, je pense qu'il a sa strat. Hein. Moi, là, je pense qu'il est... Oh, moment premier! Attendez! Non! Oh ah non, top 3. Non, dommage. Ah, dommage. Ça n'a pas duré. Ouais, non, effectivement. Alors, est-ce que moment va faire la game en premier? Va faire la game en entier, pardon. Ça va être la grande question. Grande question? La grande question. Et Lib et byzantin aussi? On va faire un petit tour d'essai? Oui. Bah ouais? Oui. Carrément, ça me va, moi. Lib byzantin. Lib byzantin, en effet. Il est juste à côté de Coca, donc attention. Qui est toujours mongol. Qui est toujours mongol, toujours mangoudaï. Je précise que j'offre 100 subs à ceux qui sont sympas. Ah, c'est sûr que si tu gagnes 2000 balles, tu peux offrir 100 subs. Je t'ai dit, ça négo à fond. Première game, ça parlait pas. Ah ouais, là, non, là. Depuis qu'on a vu qu'il y avait des trêves et tout. Là, ça va parler. Donc, Coca qui est tranquille puisqu'il n'a personne à côté de chez lui. Ouais, c'est vrai que Coca, encore une fois, il a le bon spawn. Hein. Ah, il a de la chance, hein. il a de la chance là-dessus. Kenny qui joue les go. Oh, Kenny qui joue les go. Kenny, il en a marre. Écoutez, et il est toujours à côté de Coca. C'est incroyable. Alors qu'ils rejoignent même pas la game dans les mêmes ordres, ouais, et tout. Hein. C'est marrant ça. Donc c'est vraiment incroyable. Mais... Kenny qui est à côté de Hypierre, donc c'est lui qui a le. C'est lui qui a Hypierre quoi. Voilà, c'est lui qui a le start tranquille. Hypierre byzantin. Et enfin, donc Khaled avec les go, encore Bonjour. Les go. Et on refait le tour avec les Chinois pour Momadus, puisque China number one, évidemment. C'est sûr que c'est pour ça. Hein. C'est pour le mime, c'est juste pour le mime. C'est juste pour le mime. Je suis sûr, il est là, c'est quoi leur unité? Ah, c'est sûr que c'est quoi l'unité spéciale des Chinois, c'est quoi? Et du coup, j'ai envoyé mes deux moutons à Lib. Et à moment, je pense. Chinois. Ah non, ils sont là. Ah, ils se baladent encore. Ah bah là, personne les trouvera ceux-là. Ils sont mignons. Ah, dis pas ça. Petite brebis là. Tout est possible, tu sais. Chinois, très intéressant comme civilisation. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont les choukonous. Alors les choukonous, c'est des arbalètes à répétition. Ah ouais, des Gatling. Ah oui, ils font le ta 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 ta, c'est ça non? Non, ils ont une manivelle pour recharger, mais c'est genre 15 carreaux qui tirent en l'espace de je sais pas combien de secondes. Mais c'est marrant comme arme. Ça a dominé vraiment la guerre autant antique pendant très longtemps les choukonous. OK. Donc c'est passionnant le lore autour, enfin le lore. L'histoire quoi. Le vrai lore quoi, le vrai lore en fait autour de ça, très intéressant. Si vous intéressez un peu aux Chinois trois contre royaumes les go, c'est lose. Ouais. Par contre, ouais. Non mais, vous savez, on n'en est vraiment pas là. On n'en est vraiment pas à la méta. C'est-à-dire que là, déjà est-ce qu'il va faire un château? Déjà, est-ce qu'il va rester toute la game en entier? Enfin, c'est ça. Est-ce qu'il va pas cracher avant? Là, on a... les cochonous. Non, pas les cochonous. C'est les choukonous. Les cochonous. Ça, c'est le moment qui doit dire, moi, je vais faire masse cochonou. Déjà, quand il avait les coumans, il appelait ça les boucans. J'espère qu'il n'y aura pas de boucans en face, parce que sinon, les clics-clacs, ils risquent de faire mal à mes cochonous, je peux te le dire. Et du coup, pas de tata. Moment en mode ok, boom. Parce qu'on discute, mais... Pas de tata. On discute, mais pas de tata. Bon, en tout cas, c'est la dernière game. La dernière game, peut-être, incroyable. Peut-être la dernière game. Non, c'est pas la dernière. Moi, je veux pas que ce soit la dernière. Je veux pas que ça s'arrête là. Alors là, vu qu'il y a un point d'écart. Alors, Lib, c'est bizarre ça de faire les moutons en dehors du forum. Donc là, ça veut dire que si Lib fait 3ème, Coca fait 1er. Ah, me demande pas de faire des maths, mec. Et Kenny fait 2ème. Je vais te demander de faire des maths. Enfin, un truc comme ça. Ouais, ouais. Il y aura 3 égalités. Enfin, les 3 égalités sont possibles. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura pas 4 égalités. Oh, oui. Normalement, ça c'est impossible vu qu'il y a deux ex-échos en deuxième position. Bah oui, il y a deux ex-échos, donc c'est forcément il n'y aura pas d'égalité. Donc normalement, à 4. S'il y a Kenny 1, Coca 2, Lib 3, il y a Truel. Oh, c'est fortement possible en plus ça. Un Kenny Lib Coca? Non, Kenny Coca Lib. C'est forcément possible ça. Ce serait même un peu dans l'ordre. En gros, c'est Kenny. Ça pourrait être dans l'ordre des choses. Si ça fait Kenny, Coca ou Kalen, Lib, c'est bon. Ouais. Mais je pense que Coca sera premier. Moi, je pense que Coca fait premier. Ouais, je pense que Coca maintenant il a compris. Il est trop devant, il sait comment les jouer aux adversaires, il sait qui attaquer. Moi je vois bien un Coca en première position. Puis il a tellement d'expérience sur les FFA dans les jeux de stratégie en général. Ouais. Parce que rien, ça transfère bien. Genre, ah ouais, c'est clair. Pareil sur SC2. Oh, il a une base pas mal en plus là.
Ouf, ouais, ça fait beaucoup de gold hein, quand même. Bah après, elle est exposée à Lib. Hein. Attention quand même à ça. Oui, après, est-ce que. Bon, c'est Lib. Après, c'est pas Hypierre. C'est vrai qu'il était à côté d'Hypierre et, ouais. sans, et avec spawn libre. Et tranquille. Ouais, c'est vrai que la game d'avant, certes, mais, il a snowball. Mais bon, là, il est pas à côté de Kenny, tu vois. Encore, il aurait été à côté de Kenny, on peut s'inquiéter. Mais Lib, il est assez calme en début de partie. Ah, Kalen, il est loin quand même. Mais ça veut dire que potentiellement. Coca peut tuer Lib dès le début avec un rushement goudaï. Ça, c'est hyper dangereux pour Lib. Moi, je vois bien qu'Alain éliminer Moment et Hypierre et faire full scoring et que Coca n'arrive pas trop à l'éliminer, tu vois. Je vois bien ce scénario-là. Tu sais, le scénario où on finit avec un... C'est vrai que l'armée de Kalen counter celle de Coca en fin de game. Et tu sais, je vois bien ce truc où Kalen et Coca font du scoring de leur côté et finalement, en 1v1 pur à la fin, Kalen peut maîtriser non. le score. Alors, je... Injonction. Oui. Kenny joue les go aussi. C'est vrai. Et je pense que Kenny jouera mieux en late game que Kalen parce qu'il a une meilleure écho. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que Kalen, son gros problème, c'est l'écho. Là, c'est très intéressant. Je me demande si Kenny sait bien jouer l'ego parce que Kalen, forcément, il fait que jouer ça, donc il a ses petites habitudes. Après, Kenny, il a vu Kalen jouer. Voilà, au bout d'un moment. C'est vrai. Mais très intéressant là-dessus. Alors que les chèvres. Les chèvres partout. Moment dernier, mais tranquille, c'est son BO, c'est normal. Tranquille, c'est son BO. Il l'a dit, c'est normal, moi je suis dernier et d'un coup je gagne. C'est son BO secret. Hein. C'est ce qu'il avait dit, donc pas de soucis. Tranquille, c'est son BO. Qu'est-ce que c'est là, des unités rouges partout? C'est des brebis. Il y a full chèvre. Il a été récupéré tes brebis ou quoi? Alors là, par contre, attention. Non, moi j'avais des moutons. Je vais lui donner. Et non, c'est les moutons, rien à voir. Ils sont là. Excuse-moi, les moutons tatars. Attention, ils vont être capturés par Coca. C'est bien dommage hein, parce que là, Coca. Incroyable play de la part de Coca. Le play, surtout qu'il a plus de buisson, il se dit bah merci frère. Super. De la bouffe en attendant quelques fermes. C'est tellement parfait en plus, il avait zéro bouffe. Ça arrive direct. Ah, ça parle plus là, c'est concentré. Hein. Ah ouais, ouais. Là, il parle... En tout cas, on a récupéré le son du jeu, hein. C'est confirmé. Toc toc toc. Voilà, on entendra les épées bientôt. Toc toc toc. Arabic est une des maps les plus compétitives du jeu. Ah ouais, pourquoi? C'est une des maps les plus appréciées du jeu. Bah en fait, elle est équilibrée. Elle est très équilibrée. Il n'y a pas d'eau. Il y a pas d'eau. Ce qui est quelque chose que beaucoup de joueurs n'apprécient pas. Oh, franchement. Et elle demande pas mal en fait de. Ben, elle demande un bon niveau de jeu, mais généralement, pour les walls, c'est pas facile parce que t'as pas beaucoup d'arbres. Oh mon dieu! Elle est très ouverte. Et bah hop. Tout, hop. Change de camp. Kalen qui intercepte. Paf, et qui ramène hein, tout de suite. Hein. Mais ouais, Arabi, très apprécié. Donc on finit sur une map vraiment tryhard. Hein. Là, c'est pas une map. Ah, c'est 100% rigolade, balanced. En même temps, c'est de l'e-sport. Ouais. Hein. Ah, bon, on est sur de l'e-sport, évidemment. Allez, plus que 40 minutes pour que Hypierre lance sa merveille. C'est vrai, il a plus que 40 minutes là. Moi, je pense que là, il fait full bouffe, tu sais pourquoi? Pour passer à l'âge 2. Après, il va faire full bouffe pour passer à l'âge 3. Full bouffe pour passer à l'âge 4. Mais tu sais, tu fais. Et il va go merveille. Hein. Parce qu'avec Byzantin, je crois qu'ils ont les tours à bombarde. Ah, bah, il y a de l'eau. Il y a même un banc de poisson. Il y a genre une. Je sais pas s'il y a la place de faire le port. Si, sûrement en plus. Il faut péter tout. Tous les arbres avec des onagres. Mais il y a moyen de, je pense. Tu fais full tour de bombarde autour. Non, mais c'est zéro. C'est zéro. T'imagines? C'est zéro. Le mec qui fait juste un point de map mais avec une merveille et 10 millions de tours de bombarde. Et juste les mecs attendent. Mais c'est ce qu'il fera. Il a joué. C'est sûr. Après, il a de la chance. Il est loin de Coca. Ouais. Il est loin de Kalen. Ah non, il est à côté de Kalen, Hypierre. Bon, ok. Il y a un sitting là, ça va pas Kalen là. Bah alors, on le dit, hein, l'écho. Ah, Moment premier à passer à l'âge 2. Moment. Oh. Incroyable. C'est le rush des âges de Moment. Moment, il a pas le temps. Il rush les âges. Peut-être qu'il a vu Hypierre faire la merveille et que ça l'inspire. Eh, c'est possible. Hein. Peut-être. Imagine Hypierre, Moment, les deux merveilles. Double merveille. Et les autres qui ont des armées qui doivent progresser entre ces deux cons. Ouais. Entre les deux idiots. Pendant qui Coca font la massacre tout le monde. Ouais, c'est ça. Le bordel, quel boxon quoi. En tout cas, tout le monde est à l'âge 2 sauf Lib et Kalen qui traînassent un petit peu. Premier wall hein, qui est en train d'être intenté par Coca. Mur contre Kenny, hein. Kenny qui est au sud. Est-ce que toi aussi, t'avais pas cette phobie? Regarde le wall de Coca. Des unités qui passent au travers quand t'étais en diagonale. Ouais. Ça m'arrivait tout le temps, je devenais fou. J'étais là, mais non. Ça touche. Mais non, genre, pourquoi? Quand t'as deux murs et genre ça passait au travers, j'étais là, mais ouais, j'ai un mur. Là. Ça, c'est le problème de tous les walls. Hein. Dès mais que ça rend wall, fou. Et c'est pas logique. Mais je crois que ça a été corrigé hein, parce que j'ai pas revu ce bug. Hein. Je me demande que c'était pas un bug parce que c'est très bizarre comme truc. Ouais. C'est parce que tu faisais un wall avec ton forum. Mais non, mais vraiment. Allez, t'imagines, tu vois deux forums en diagonale. Yes, je suis bien wall. C'est bon, je suis wall. C'est bon. Ah ouais, non. Par contre, il y a des mecs qui font ça. Ils mettent leur forum dans le wall. Et en fait, ça les protège pendant une attaque. Ouais, ça fait une et après, ça s'ouvre dès qu'ils finissent. C'est vachement intelligent comme play. Pourquoi pas? Si ça se coordonne bien avec l'emplacement que tu veux, pourquoi pas? Alors, l'âge féodal qui atteint pour Hypierre premier. Hey, tout le monde synchro sur le féodal. Hypierre premier. Quoi? Je tiens à le dire. Mais comment... Je suis premier. Comment ça? Comment ça il est premier? Il a deux vies à jouer à FK, il me rend... Je suis premier. Est-ce qu'il va rester longtemps premier? On quitte. Moment qu'à l'habitude maintenant. Non. Non.
Ah là là là. Il est premier, c'est beau. Le marché qui est droppé de moment. Moment qui va. Moment devant Lib, hein. Qu'est-ce qui se passe pour Lib? Il a du mal en début de game. Son Lib a un peu de mal en début de game en général. Mais Lib, il arrive à se faire oublier. Alors qu'il enterre, il entoure sa pierre. Je veux cette pierre. Attends, mais quoi? Non, mais ça veut dire qu'il fait une merveille ici ou quoi? Pourquoi mais là, oui. il en. Oh là là. Attends. Non, mais peut-être qu'il a vu que c'était Coca. Il fait bon, bah, double ah mur. Ah ouais, peut-être. Genre, non, mais... c'est Coca, c'est double franchement, mur. Pourquoi pas, hein. Mais pourquoi bon, pas? Ouais, bon pourquoi pas. Il avance au fur et à mesure, tu sais, il s'est dit allez hop, et après il s'est dit allez, ouais, je peux aller un peu plus loin. Ah, ça doit être ça, parce que c'est vrai que la pierre là elle est importante, hein. Il y a beaucoup de ressources en plus. Hein. Il y a vraiment après là, si il arrive à faire la pierre ici c'est... et là. Clique sur le patch de pierre. C'est marrant parce que genre tu prends ces deux tas de cailloux et ça te fait un château. Ouais. Genre, c'est... les mecs sont vachement créatifs. Non, c'est 800, non? C'est pas 800. C'est 650. Genre, ah. C'est... ils sont vachement créatifs les mecs, hein. Avec genre 3 cailloux et 3 châteaux. C'est magnifique. Coca HD Château, Fast Castle, wow. 16-40. C'est ouais. Un peu comme dans le timing en de Kenny temps, tout à l'heure. Ils ont eu le même. Ouais, exactement. Ils ont exactement le même timing. Oh, ils sont coude à coude, Coca et Kenny. C'est impressionnant ouais. Le BO ah, qu'ils ça ont. Ça y est, Pierre n'est plus premier là. Non, c'est fini pour Pierre. Plus on va avancer, plus ça va être compliqué 4e. Pour lui. Oh. Hey, il est toujours premier. Ouais, j'avoue, mais what the fuck. Mais comment il fait? Non, mais il fait plein de villageois, je pense. Il fait full écho, ouais, c'est ça. Ouais. Full écho. Et il doit continuer de scout, ça doit être et ça. Et full ressources. Et en plus, ouais, il doit bien scouter, effectivement. Ouais, il scoute de ouf. Les scores sont. Il scoute de ouf. Quand tu scoutes à fond là, c'est énorme. Scoot, c'est bon. Coca a bossé le BO de Kenny, il l'a dit en stream. Ça c'est marrant ça. Ah, ils font le même du coup, trop drôle. Ça c'est marrant. Mais Kenny c'est le seul à faire instant forum. Alors que tu vois, lui, Coca tarde un petit peu à chaque fois. Je dis ça, non, il est château. Ah, c'est château. Ouais. En fait, Coca préfère l'agression. Ouais. En fait, le BO ah, non, de Coca. Ah, forum ici. En fait, il fait château et forum, mais le BO de Coca consiste à simplement faire le développement écho et en même temps tu fais 6 Mangoudai. Ouais. Et avec les 6 Mangoudai, tu one shot. Tu one shot un villageois et tu fais un ras sur l'écho. Mais ça demande beaucoup de micro, hein, beaucoup d'APM. Hein. Je sais pas si vous rendez compte parce que gérer la macro, attribuer les bûcherons, enfin genre faire les décisions de macro pour évoluer vers autre chose plus tard et en plus gérer un pack de Mangoudai, bon courage. Coca allié. De toute façon, on vous encourage à tester le jeu. N'hésitez pas, vous savez que. Dans le Game Pass. Non mais en gros si vous achetez micro le Game Pass, vous avez le jeu, vous avez le jeu tout simplement jusqu'à votre durée de Game Pass et vous pouvez tester. N'hésitez pas à tester le jeu. Hein. Je pense que là vous vous rendez peut-être pas compte de ce que ça demande, mais même les plus nuls de cette game savent jouer un petit peu au jeu quand même. Ah oui, clairement. Bon pas tous, mais je veux dire même des parfois quand vous gérez une bataille, ça peut très vite être la merde. Surtout que c'est pas comme les jeux actuels où tu fais hack-click, il y a une bonne gestion d'aggro, de machin. Le hack-click est un peu hasardeux sur Age of Empire, etc. Donc c'est un peu là, difficile. Clairement, on a vraiment 4 bons joueurs et Moment et Pierre. Et vraiment là, à part ça, c'est quand même du bon niveau quoi. Mais même les pires à un moment, ils savent jouer, mine de rien. Sachant que là, on joue à Age of Empire 2 Definitive Edition. Je vous le dis, c'est cette édition là sur laquelle on joue, parce qu'il y en a pas mal maintenant sur tous les trucs. Cette fin de soirée qui s'annonce merveilleuse. Ah, c'est vrai qu'avec les merveilles. Aïe aïe aïe. On pourrait ça. C'est parti, la prod de Mangoudai. Kalen HD Château, un petit peu plus tardif, mais tranquille. Aitir qui va passer à l'HD Château très bientôt aussi, je pense, à mon avis, puisque là, il fait full bouffe et tout. Donc, et donc, si Coca push Lib là, est-ce que Lib a des failles? Bah, Lib, déjà, il y a. Alors là, le wall est... Non, c'est pas fermé. Il n'y a pas de wall là. C'est 100% pas fermé. Hein. Si ça passe, c'est un c'est une catastrophe. Ce serait vraiment con qu'il passe là-dedans, quoi. Ça m'énerverait beaucoup. Hein. Je serais hyper bon, énervé. Après, c'est un peu open ici aussi, quoi. Ouais, mais c'est pas pareil, tu vois. Si t'as un front à gérer, plutôt que de se dire c'est open dans plein d'endroits. Ouais, ok, Momanus. Moment, qui scoute avec son. Il fait quelques units, il est à côté de Coca, je pense qu'il est pas dupe. Et qui sait ce qui se trame. Après, peut-être qu'il avait plus de pierre, hein. Peut-être qu'il avait plus de pierre et il se dit, ok, je récolte un peu et après il wall là. Ouais, mais là, le problème, tu vois, c'est que si jamais. Alors, je pense qu'il y a eu une erreur. Est-ce qu'il y a une autre pierre qu'il est en train de miner, Lib? Je pense que non. Parce que là, le problème, c'est que si jamais il lui prive de pierre et qu'il a pas le temps de faire un château, adieu. Ouais. Parce qu'il pourra pas il aurait peut-être dû miner bâtiment. Là vu que ouais, ça c'était sécure. C'est ça, il pourra pas faire ce bâtiment si important et du coup il peut même faire un château là, Coca, et du coup il va complètement lui deny sa gold et sa pierre. Et même s'il fait un château genre ici. Voilà. Je t'ai dit les deux. Juste GG. C'est là là vraiment il a quelque chose à faire, Coca, mais attention. On n'est pas quand un V1. Ouais. On a Kenny ici qui domine le scoring pour l'instant. C'est du full écho. Il n'y a pas une unité. On sait perfect wall. Donc Kenny, ça se passe très bien en termes de défense et de gestion du terrain, etc. Mais de son côté, Coca va avoir ses premières unités. Voilà, elles arrivent. On a le troisième forum qui pop. Et on va voir sur quelle cible il se dirige. En fait, ça va être ça pour moi. À mon avis, ça va être sur Lib. Parce que là, il y a une porte. Et il est prêt. Et il vaut mieux aller prêt. Lib, c'est l'homme à Abab dans cette game. Et je pense que les joueurs l'ont compris. Ils se sont dit, ok, Coca est juste à côté de Lib. Il va certainement l'attaquer. Enfin.
je vois pas pourquoi il l'attaquerait pas, vraiment. Surtout qu'il sait qu'il est plus fort, je pense. Oui, macro et micro. Donc à mon avis, il va se dire au moins je vais aller tâter le terrain. Et c'est parti, mesdames et messieurs, la charge des Mangoudaï. Il y en a 8 et non pas 6. Ouais, 8, pardon. Et là, ça va faire mal parce qu'il y a pas d'eau. Ah, il commençait à peine. Attends, oh, il fasse est-ce qu'il va avoir le temps? Non, c'est bon, c'est Wall, c'est Wall, c'est Wall. Non, laisse pas Wall ici. Oh, il y a un trou. Il y a un trou là. Oh, il y a un trou. Oh, il a eu le temps. Après le timing. Ah, il a de la chance, hein. Dans sa malchance, il a de la chance. Après, là il y a 0 HP, il y a 0 HP. Hein. Non, ouais. non, mais ça met quand même beaucoup de temps à tomber. Hein. Ah ouais, tu penses? Ah ouais, ça met beaucoup de temps. Ok. Ah, il a pas tenté. Ah, et là, il fait le tour et du coup, il a un peu le temps de prendre une unité ou deux, mais c'est pas dingue. Il y a 4 archers. Donc, là, tu vois ce qui s'est passé? Il a complètement stoppé de miner la pierre. S'il a pas assez de pierre pour faire un château, il est trop mal. Oh, tu as raison. Non, université. Pourquoi? Ouais, université. Là, il faut vraiment faire le camp de mineurs ici. Hein. Ça aurait été plus adapté. Voilà, il y a le tour qui a été fait. Il y a 4 archers. C'est juste de la merde. Hein. Il aurait dû faire tir ailleurs. Mais il va pas pouvoir tuer grand chose. C'est-à-dire, même s'il tue ça, bon, c'est pas dingue, tu vois. Genre, c'est pas comme s'il a annihilé la moitié du camp de bûcheron. Honnêtement, il s'est plutôt bien débrouillé libre. Après, attention, hein, parce que là, les villageois un par un, typiquement. Bon, là, il y a des unités qui vont tomber. Hop là, voilà, c'est un one-shot. Oh, les dégâts inexistants sur les Mangoudaï. C'était pas du tout la bonne unité. C'est vraiment le problème de Lib, c'est qu'il a pas la connaissance des counters. Et du coup, bah, dans ce genre de situation, avec des tirailleurs, il aurait déjà fait beaucoup plus de dégâts. Aïe aïe aïe, le respawn il fait mal. Gold. Ouais, je pense qu'il pensait pas se faire attaquer aussitôt, honnêtement. Il s'est pas trop rendu compte du timing de Koga. Parce que je te rappelle que Lib a été tranquille les deux games. Hein. Oui. Donc il, oui, se rend il se rend pas trop compte c'est des la timings. Fois, là. Il se rend pas trop compte des timings de mais rush. Si. Ah, c'est. Ah, ça fait mal. C'est ça que. C'est ça qui se passait hein, les autres games. Ah ouais, il se passait ça chez les autres donc. C'est relou quand ça arrive à toi. Là c'est horrible. Hein. Ce qui se passe pour Lib est horrible. Il est dernier de la game actuellement. Il va peut-être falloir déjà envoyer des petits paysans au nord-ouest de la map là. Moi j'enverrai un ou deux paysans. Mais après, il a quand même deux forums, donc c'est quand même relativement safe et il pourra pas le finir avec ça. Tu veux faire la V2 avec moi demain? De la 2v2 avec moi demain, Coca? Ah, mais Kenny, il m'a dit je passe la meilleure époque de ma vie, je joue qu'à Age of Empire, il se régale. Hein, vraiment. Ah, mais c'est un plaisir. Hein. Kenny, il adore, il se régale comme un fou. Un plaisir. Et là, on a Coca qui donc commence à dominer cette game. Voilà, Coca, c'est quoi cette Miss Micro là? Boum 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 boum. Dommage ça. Un autre forum, alors pour la pierre mais peut-être. Ouais, il peut pas miner de pierre. Oh! Archer de Pyrunite contre les Mangoudaï. Archer de cavalerie. Bah super, il répond pas. Ouais, mais il se rend pas compte, mais ouais, il est occupé. Il est un peu occupé. Parce qu'en fait, il se dit qu'il a le même score, donc il se dit, bah c'est bon, il est en train de fouler l'écho. Mais non, c'est la guerre. Ouais, c'est la guerre. Mais bon. Ils ont dû voir Lib Drop. Hein. Ils ont dû voir Lib Drop sacrément fort. Bah, ils doivent se dire, si Lib arrive pas à scorer en même temps que nous, si Moment et Hyper sont devant Lib, c'est peut-être c'est que. C'est ça. Ouais, non, clairement. C'est mais peut-être c'est qu'il y a un petit souci. Mais tu vois, pour Kalen, je soupçonnerais pas nécessairement que Coca est en train d'attaquer. Je me dirais peut-être que c'est Kenny, tu vois. Ouais. Parce que le score est tellement similaire, tu sais pas. T'as c'est pas vrai. L'info. C'est vrai, c'est vrai. En même temps, si t'as un peu scouté la map, ce qui est le cas de tout le monde, normalement tu te rends compte de ce qui se passe, ce qui peut se passer. Je regarde un petit peu Moment parce qu'il est pas si bas en score. Hein, et donc je me demandais un petit peu ce qu'il faisait. Non, il fait full écho. Il est très détendu sur les walls. Ah ouais, mais Moment, c'est le seul qui fait aucun wall. Aucun wall. Le château qui tombe pour Kalen. Aïe aïe aïe. Kalen, attention, il est laissé tranquille, ça va faire mal. Hein, ouais. Parce que Coca. Mais tout le monde est tranquille, hein, sauf Lib et Coca. Il y a juste Coca qui fait de l'action. Mais si Kalen est laissé peinard. Mais Kenny, est-ce que Kenny prépare quelque chose contre Kalen? Ah non, c'est Pierre à côté de Kalen. Ah oui, c'est vrai que tes couleurs ont changé. Et oui, les couleurs ont changé. Parce que Kenny, il est là, il a son petit château tranquille. Mais Kenny Nego, Kenny, pardon, il est go. Pas le même. Kenny Nego. Kenny Nego. Ça va pas du tout. Alors, cette ferme qui prend. Hey Pierre, âge impérial. C'est la merveille qui arrive. First. C'est bien first. First. Beau gosse. Je pense que c'est la merveille qui arrive. Hein. Il va la lancer dans très peu de temps, à mon avis. Il va lancer sa merveille. Merveille, déjà. Ah ouais, non, mais c'est possible. Hein. Par c'est contre, il faudrait qu'il prépare un peu le terrain avant de faire sa merveille, à mon avis. Il fait de la pierre. C'est quoi c'est 1000 de chaque ressource. C'est 1000, je crois. Hein. Ouais, je crois que c'est 1000. Enfin, 1000. Voilà. Ouais, 1000. Faut tout, quoi. Effectivement. Instant merveille. Mais alors... c'est trop tôt, je pense. Ça, oui, c'est trop tôt. Si tu instant. En fait, faut merveille au moment où il y a des vraies batailles déjà engagées, comme tout à l'heure. Mais ça, tu peux pas trop le savoir. Mmh. Ouais, c'est ça. Ok, château pour Hey Pierre. Ok, château, donc c'est peut-être l'emplacement de la merveille. Hein. Après, ce qui se situe la merveille là, tu vois. Ah, mais c'est bien comme tu emplacement. Tu l'as fait en ici. Mais en plus, en vérité, tu le l'as mieux. Fait là. tu l'as fait là. Tu fais une merveille ici, des châteaux là-dedans. En plus, il y a une montagne. Là, tu fais des tours à bombard devant la montagne. Il y a vraiment un truc à faire. 50. Mais faire à côté de Kalen, après, c'est quand même chiant. Alors que les moutons qu'on avait envoyés dès le début sont là. Tu sais, franchement, s'il avait pris Tatar, Roche Merveille, installé sa merveille là, j'aurais pleuré. Je pense que j'aurais pleuré. Je pense vraiment que je sais, je suis relou avec ça. Je pense que j'aurais pleuré. Je sais qu'on est, c'est difficile de nous entendre dire ça. Ah, regarde ce qui se passe ici. J'aurais juste pleuré. On a la pierre, alors qu'une villageoise est coincée. Mais on a la pierre, l'autre pierre qui est minée par Lib.
Ouais, c'est du coup bon. C'est bon, il est moins il coincé. Et Coca a pas fait tant de dégâts que ça. Hein. Non, bon, il a fait du dégât parce que Lib est quand même dernier en score et ça c'est la preuve qu'il a fait du dégât. Coca Mindou. Non mais il arrive hein. Coca il arrive et il a de plus en plus d'units et à mon avis ça va être, ça va être compliqué hein. En fait, c'est ce qui me frustre souvent sur ces pushes, c'est que il va pas nécessairement aller voir derrière alors qu'il y a vraiment des mines d'or à aller embêter, tu vois là derrière, il y a rien pour oui défendre. Et non, hein. Oui et non. Bah il pourrait rien faire en haut hein. Au-dessus du forum là il est free hein, tu vois. Regarde près de l'université là. Ouais mais pour taper quoi? Tu tapes l'université? Les ouais. étudiants t'es... Un petit étudiant qui passe là. C'est ça voilà. Les manifs d'étudiants. Bon voilà c'est pas très sympa quoi. Mais c'est possible tu vois. Possible d'emmerder les étudiants. Alors là il y a le château qui est fait. Est-ce que la merveille suit après? Je sais pas. Ah il y a un marrant cavalerie des il est un peu grillé du coup. Un tout petit peu grillé malheureusement. Non mais on est d'accord que c'est sûr qu'Aipierre va faire une merveille. Ah oui c'est sûr. On est d'accord que l'âge impérial sûr, pour Aipierre ça ne sert qu'à ça. Non mais c'est sûr. Ah oui, c'est pour moi ça ne sert qu'à ça. Après est-ce qu'au moment fera une merveille aussi? Mais lui il est au milieu sans wall. Donc honnêtement au moment je sais pas ce qu'il fout. Mais j'espère qu'il est serein hein, parce moment que... ça se tra... Ah parce qu'il joue chinois là. Quelques mais chameaux. Mais qu'est-ce pourquoi? Alors les chameaux de Chine c'est pas forcément chameaux de Chine. Les chameaux chinois dans le lore, pas sûr que ce soit l'unité la plus emblématique. Bah après, ça s'étendait vachement loin vers l'ouest, hein, à un moment la Chine, donc peut-être ils avaient des. C'est vrai, hein. Peut-être, écoute, on ne juge pas. On ne juge pas. On ne juge pas, loin de nous l'idée de critiquer. Ah, regarde, ah regarde, ouais, double château. C'est parti. Il a même pas fini celui-là. Je sais ce qu'il va faire. Il a pas fini. Je sais ce qu'il va faire. Oui. Il va faire un carré de château. Avec la merveille. Un carré de château. Non, mais il va la mettre là. Il va la mettre là. Non, mais en fait, ce qui se rend. J'espère qu'il va laisser la place pour ses villageois pour construire parce que s'il n'y a qu'un flanc pour construire, ah ouais. Ça va être 1000 ans. S'il n'y a qu'un villageois. Non, mais si t'as qu'un seul flanc, tu sais. Ah ouais, j'avoue. Parce que là, ça va juste mettre 1000 ans. Est-ce qu'il va s'en rendre compte? Écoute, on verra. Ouais, c'est un constructeur, hein, Minecraft, tout ça. Il fait déjà les murs et tout. La tryhard est complète pour cette merveille, c'est fantastique. Mais je me demande quelle ressource il lui manque. Bah, le coup de la pierre, probablement. Ah bah là, il faut masse pierre. Il va devoir utiliser son marché beaucoup, je pense. Ok, âge impérial pour Coca. Tout le monde est à l'âge impérial, sauf Lib, qui n'arrive pas évidemment à avancer sur son écho. Hein. Ah, ça, c'est bon, hein. C'est bon pour nous. Bah, c'est clairement, c'est super. C'est bon pour bon notre bon. Égalité, mon cher, oh là mon cher. Là, ça va être trop bien. Trop bien. Après des gens disent sur le chat voilà la laine de chameau c'est une spécialité chinoise donc pourquoi pas. Mais la laine de chameau peut-être mais les guerriers chameaux. Les chameaux de Chine c'est des chamois. Les chameaux de Chine. Ok. Si ce sont des chameaux de Chine ça ne marche plus. Les Dahu. T'as vu ce forum de moment là ça planqué en haut. Ça ne sert à rien. C'est pas mal hein. Regarde. Ça ne sert pas à rien. Ça. Non ça ne sert pas à rien parce que s'il se fait détruire ici. C'est vrai que. Il a direct le poste avancé là-haut. Ouais par contre s'il se le fait choper ça va faire mal à l'écho. Non mais de toute façon s'il se fait choper quoi que ce soit parce que là il y a rien. Il y a strictement absolument. En plus il a oublié qu'il y avait des camps de mineurs et des camps de bûcherons il fait que des forums. Donc, c'est un peu bon, le marché, le village neutre quoi. C'est, il ah voilà. Les choukounous avec les arbalètes à répétition. Les choukounous qui ont les Gatling. Les arbalètes. Ah Kenny qui avance vers Coca. Mon cher. Alpha, ça y est, oh là là, ça y est. Bonjour à tous. L'invasion. Il en a ras le cul. Et voilà, lui, il revient en mode au secours, à l'aide. Il y a cette unité horrible. Et il nous l'a dit tout à l'heure. Il nous a dit bah ouais, en ladder, j'ai joué contre ça et bah j'y arrivais pas. Ouais. Regardez là, 1, 2, 3, 18 flèches. 18 flèches, oh, un mois, un quart PV. Incroyable à quel point ça tank les go. Oh, parce que là, il se dit ok, pas de problème. Mais derrière, il y a ça. 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 Et donc le derrière, il y a ça. Mais ouais, parce que le détail, les gens vont se dire, mais alors, je comprends pas, les unités uniques, c'est dans le château normalement. Mais non, parce que tu recherches une technologie et ça te permet de tout simplement créer les juste-cartes dans les casernes. Et en plus, ils ont un boost de production dans les casernes, c'est juste indécent. Coca est dans la merde. Coca est dans la merde. Je vous le dis, regardez, c'est tout simplement le Rohan qui arrive chez Coca. Lib qui, du coup, va être tranquille. Va remonter en score, c'est peut-être pas bon pour nos affaires, ça, hein, mais on verra. Bientôt la merveille de Aipierre qui va arriver, hein. Elle sera là. Trop beau les châteaux byzantins. Et cet arbre là. Attends, je rêve où il a fait 4 tours. Ouais, 4 tours. Ouais. Mais attends, mais où va être la merveille? Parce que là, s'il veut qu'elle soit là, faut enlever cet arbre. Cet arbre là, il va être et sans de bois, c'est quand même relou. Non, mais tu le coupes un peu. Hein. Enfin, en fait, si tu le coupes pour qu'il tombe, après tu peux construire dessus. Ah bon? Ouais. Ah, direct. Ouais, okay, en fait, faut juste le couper. Mais est-ce que ça, Aipierre le sait? Écoute. C'est un genre de Minecraft, je lui fais confiance. Bon, la construction, l'optimisation. C'est la merde là un peu, mais la merde, ouais. Ça va. De toute façon, la prod est tellement insane. Il a pas eu le temps. Il rush caserne et tout. Ouais, non, mais là, Kenny, il en a marre. Kenny, il en a marre. Kenny, là, je t'emporterai avec moi, je m'en fous. Ah ouais, là, c'est toi ou moi, quoi. C'est toi. Cette ville est trop petite pour nous deux. Mais c'est dommage parce que Kenny, là, en fait, en faisant ça,
au lieu d'aller s'acharner sur Quelle Nib. Indignité Quelle Ah parce que Aipierre se fait détruire par Kalen. Par Kalen. Mais... Kalen qui va aller scorer tout simplement. Et là il voit que Kenny prend masse score. C'est bien parce que Kalen s'est arrêté instant. Il y a eu quelle indignité. Et oh, ok, on Peut-être s'arrête. Tu lui as envoyé des ressources. Alors que la c'est l'exode. L'exode rural. Cet exode de Kenny, on dirait des lemmings, sauf qu'ils viennent pour pas se suicider. Et c'est pareil pour Aipierre. Oh, regarde, regarde, il sait pas. Du coup il enlève le poids. Je te l'avais dit. La merveille elle arrive. Elle arrive. Mais c'est terminé, cet arbre J'ai palmier tout ça, mais tu vas mourir. Ce palmier est mort. Mon cher Alpha. Et par contre là il va pas pouvoir passer hein. Il s'est fait pulvériser l'arbre. Elle va commencer cette merveille, mon cher Alpha. Ça y est, regarde, on s'organise. On s'organise et voilà. C'est parti. Ça y est, Aipierre a commencé une merveille, sauf que là, il y a ça qui va arriver sur la merveille, je pense. Il va falloir très vite faire des walls ici. Elle va jamais tenir cette merveille. Mais surtout, il faut qu'il wall ici, hein. Mais bien vraiment, sûr, mais il aura pas fini de la construire, ça peut. Là, c'est vraiment la merde. C'est mal Pendant ce temps, la Kenny est en train de pulvériser Coca. Coca est en train de perdre la game, vraiment. C'est-à-dire que c'est l'apocalypse. Lib est en train de se refaire petit à petit, enfin, en termes d'écho en tout cas, parce qu'il n'arrive pas forcément à faire des unités pour l'instant. Mais là, c'est une game incroyable, mon cher Alpha. Ah ouais, c'est une c'est dernière chaud. Game avec du spectacle. On est seulement à 40 minutes de jeu. Il se passe déjà beaucoup de choses. Mais il reste plus du fois, double de la durée de game. Et là, tu vois, Lib est tout en bas, mais Lib va se refaire. Ouais. Et moi, je te le parie, Lib va encore remonter en fait. Après, pour être premier, ça va être compliqué. Hein. Là, pour non, finir oui, premier pour dans être, cette game. Mais il est jamais premier. Il est toujours deuxième, Lib. C'est vrai. Donc c'est pour ça. C'est si vrai, quelqu'un s'occupe pas de lui en oh, priorité, Kalen c'est attaque bon. Kenny. Oh là. Kalen attaque Kenny. Le oh rally point est très mauvais. Et la Kenny. Comment ça Et là, attends, il se passe quoi là mais Il se passe quoi là mais qu'est-ce qu'il veut Attendez, ça me gratte les fesses là. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il veut lui Ah ouais, totalement. Qu'est-ce hein. qu'il a lui avec ses go C'est moi d'ailleurs, tu sais. C'est la même civilisation. Hein. Là, c'est du mirror match-up. Oula Ah, le château. Le château. Le full château. Non, alors il a pas là, le temps. Il faut cancel ce château. Hein. Il voit qu'il a pas le temps. L'ego de Kenny qui va essayer d'intercepter le rally point. Et ça y est, Kalen qui lance la prod vers chez Kenny. Donc là, on va avoir toutes ces casernes qui vont prod à l'infini. Vous allez voir la minimap. Alors que. Ça, le violet et le vert. Deux traits qui vont arriver. Kenny qui se fait attaquer. Bon, ça s'empale un peu sur le château. Il va pouvoir réparer un petit peu. Il y a quelques prods qui vont arriver. Kenny va pouvoir se défendre. Juste, ça va lui faire mal. Ouais. Mais il va pouvoir se défendre. Le château va pas tomber, je pense. Je pense qu'il va réparer. Et en plus, derrière, regardez, il y a les unités qui arrivent de Kenny. Mais Kalen n'attaque même pas Aipierre en fait. C'est ça qui est trop marrant. Kalen n'attaque plus Aipierre. Aipierre, il fait sa merveille. Ouais, Aipierre, il est tranquille. Hein. Il a pas fait de porte. Regarde, il est coincé. Il est coincé. Mais non. Il est coincé. Et si Aipierre gagne la game. Il y a une porte derrière. Il y a une porte derrière. Ah mais oui. Ah mais là le pathfinding des villageois mais... ils ont pas compris. Hein. Tu vois vite. Non mais là juste tu fais deux trébuchés en fait tu gagnes. Oui mais non, ne pense pas à ça. Parce que parce qu'il faut quand même que quelqu'un y aille. Ouais. C'est-à-dire que ça fait chier tu c'est vois. C'est ça ouais, ils sont là, non mais je suis occupé là, je me fais raser. En fait tout le monde se fait attaquer. En fait quand tu vois le scoring, tu te dis pas je vais attaquer Aipierre. c'est vrai. Ça c'est fait vrai, juste trop chier. T'as pas envie de perdre ton temps à faire ça. Bon par contre, est-ce qu'il reste du monde chez Coca? Est-ce qu'il lui reste. Oh il s'est refait en bas. Ok, ouais, enfin, ouais. Non, mais, bon, regarde, il a le score équivalent de Lib, tu vois, c'est par vrai, exemple. C'est vrai. Alors, certes, lui, il va remonter plus vite, mais faut voir. Moment 3ème. Toujours pas un seul wall. Le Lib de cette game. Toujours pas un seul wall, toujours pas une seule unité. Moment... Enfin, si, il a des unités. Insane. Oh eh, c'est parti avec les choukounes. Et ça va chez Lib. Ça va chez Lib, Lib qui, du coup, a des cataphracts. Qui a rien. Du coup, ouais, c'est pas beaucoup. Mais le problème, c'est Choukounou contre des bâtiments nuls. En fait. Contre-attaque de Kenny sur Kalen, oh là là, qui combats. Est en fait Aipierre. Oh, il a oh, changé il a des champions. Ça part sur champion. Le switch qu'il fallait faire. Alors que Kenny. Le lion. J'en veux un bout. Le switch, ah ouais, le switch incroyable. Et oui, t'es le champion. Bon switch unité. Et il en a tellement. Non, mais c'est incroyable la prod. De toute façon, Kalen, c'est ça. Tu le laisses tranquille. Tu le laisses tranquille. Et après, c'est les soldes quoi. Abîmez pas la pelouse, dit Aipierre, parce qu'il faut que marcher. Il fait que marcher sur les. J'avoue, depuis tout à l'heure, lui, il voit la guerre passer devant chez lui. Les Huskarl d'élite du côté de Kenny. Pour coup de cœur, les champions. Pas du tout. Non, pas du tout. Ils vont se faire massacrer. Les champions avec la concave par le dessus qui vont arriver sur les Huskarl. Ça va faire très très mal ici. Est-ce qu'on peut éventuellement retourner ce fight? Mais regardez-moi ça, les champions qui vont taillader ces Huskarl au corps à corps. Ça après, va pas y a un problème numérique. Parce qu'on est plus près de chez Kenny, donc ça reprod plus vite. Ouais. Et ça avance plus vite. Ça tire pas, il y a trop. Ça tire pas, et là il va arriver un par un, donc attention. Hein. Ah si, ça revient, il y a assez. Caserne côté Kenny. C'est parti pour Aipierre. Dans fini. 30 minutes, Aipierre gagne la partie. Ouais, donc à 1h15. À 1h15 de in-game. Alors que Moment attaque Lib. Ça y est. Moment qui nous fait son premier move là. Dans 1h15, cette merveille. Alors attends. Enfin, à 1h15, il gagne la game. Aipierre gagnera la game et il figera le score. Par la même occasion, oui. Puisque la game sera terminée. Atelier de siège, comment ça?
Pourquoi bah peut-être pour se défendre avec des trébuchets. Mais non, parce que c'est dans le château les trébuchets. Et bah pour se défendre avec des catapultes. Tu sais, il met toutes les catapultes ici. Mais oui, mais ça va jamais la reine. Il les met là. Et si quelqu'un est ici en train d'attaquer les murs, et bah il fait fou. Ouais. Laisse-le rêver, laisse-le rêver. Je le laisse rêver. Et Pierre, c'est un rêveur. Alors que Kalen, avec sa prod toujours incroyable, qui fonce chez Kenny. Kenny qui se défend pour l'instant, qui tient. Momo est en train de raser la base de Lib qui est. Tiens, qui a, prends cette tour là. Qui continue de plonger en score alors que Kenny lui score comme un gros cochon avec Kalen. On va y voir un combat épique. Ouais, ça va être incroyable. Ah, ça, c'est battle pour la stone là. C'est battle pour les restants de pierres nulles. J'avoue, battle ça pour va la stone. Être incroyable, mais l'avantage va clairement à Kalen parce que le switch champion il va faire très très mal. Ouais. Kenny devrait s'adapter à ce mass champion là qu'il va affronter. Oh là, c'est pas bon. Oh, c'est pas bon là. On a Huskarl d'élite, ouais. On parle des stats, c'est 70 HP et 12 plus 4. Champion, c'est 13 plus 4 et 70 HP, mais ça a un bonus contre des unités uniques. Voilà. Ce qui fait qu'ils feront plus mal face aux Huskarl d'élite. Et c'est parti! La mêlée qui est lancée ici, c'est champion dans la mêlée! Beaucoup d'Huskarl, ils sont très y'a rien qui tape. Ils sont comme ça. Y'a rien qui tape, mais ça s'empale en même temps. Et Kenny gagne ce front là, alors que Kalen lui a gagné le front nord. Kenny a gagné le front sud. Et on va retrouver les deux armées. Oh, c'est chaud quand même, comme fight. Ouais, c'est très tendu, les deux perdent beaucoup. Il y a une reprod. Il y a plus de reprod côté Kalen que côté Kenny. Et c'est ce qui va faire que ça gagne. Ah, regarde, le switch a été commencé. Non. Mais non, non. Non, oh, pas du tout. Le switch lancier, ça marche pas. Il a switché d'unité, mais c'est pas la bonne. C'était un miscrit. Ah, il y a là, là. Canonnier. Là, il y a des trucs. Canonnier, ça peut être intelligent. En fait. Regarde, regarde. On va où? Eh, vraiment stylé le modèle du champion. Il est vraiment cool, je trouve. Vraiment le pathfinding. Ils portent tous leur épée. Un jeu des années 90. Alors que. Ah ouais, toutes les casernes là de Kalen, effectivement. Ouais. Il a arrêté de prod. Je crois qu'il est full pop. Il est max pop, Kalen. Kalen ? Ouais. Ah ouais, c'est il très possible en effet. 100% il est max pop. C'est tout à fait possible. Alors qu'est-ce qui se passe ? Kenny n'est pas full pop du tout. Hein. Donc on a quelques canonniers. Il y a un peu de tout, mais il y a très peu de canonniers. Oh là là, il a rien, Kenny. Ouais, il a rien du tout. Hein. Mais en fait, il s'est empalé chez Coca, Kenny, parce qu'il l'a rasé, mais derrière, il a perdu toute son armée. Bah, je sais pas. Non, il a un peu ramené, mais mec, il y a eu tellement d'unités de deux côtés. Enfin, faut pas abuser non plus. Hein. Il y a trop. Oh là là, pas assez de canonniers. Kenny qui tente de faire un switch d'unité, mais. Il y a trop, et il continue de faire des casernes en avançant, en plus qu'Alen là. Ah ouais, c'est terrible, c'est infernal. Infernal, Kenny qui recule, il tente tant bien que mal. Il faut un château, quelque chose là, pour tenir cette déferlante verte, cette marée verte. Les orques qui sont en train d'attaquer chez Alors Kenny. Que plus que 50 ans, enfin déjà 50 ans sont passés pour la merveille, mon cher Alpha, et personne ne se soucie de ça. Alors qu'en fait, Kalen devrait y aller. Mais là, Kalen devrait commencer à se poser la question. Mais il gagnera jamais avec des champions. Non, mais bon, avec du trébuchet en avançant lentement. Mais là, Kalen, il doit changer totalement sa compo tout à fait. Pour venir prendre la merveille. Alors, je sais pas qui va vouloir prendre la merveille. Cela dit, Kalen, ça l'arrange si la game s'arrête. Parce qu'il est premier au score. Donc en fait. Pardon. Kenny est premier au score. Kenny est revenu vite. Kenny a beaucoup de canonniers. Là, ça va commencer à changer la donne. Hein. Ah, quoique, je dis ça, mais non, c'est parce que ça avance, il y a plus de tank. Les deux champions là. Il y a plus de tanking. Ça one shot à chaque fois. Wow, mais ça fait trop mal. C'est pas mal parce qu'en plus, regarde, il a pas foncé avec ses champions sur les canonniers. Donc là, il y a une petite masse qui va se débrouiller. C'est bien ce que fait Kenny. C'est bien, mais il y a tellement trop regarde au-dessus. Mais il attaque pas avec tous. Là, il gère pas trop la micro, malheureusement. En fait, il gère celle-là parce qu'il veut garder ça. Merci beaucoup, The Sniper AOE, pour les 106 viewers. Vous regardez la dernière game du FFA, Edge of Empire, pour 2000 euros de cash prize ici avec un Kalen qui attaque Kenny. Un Kenny qui se défend bien, mais ça ne suffit pas. D'autant que ça va commencer à reprendre côté Kalen. Ça va pas commencer à reprendre ici côté Kalen. Est-ce que Kalen est en train de se poser la question. Ah, ça y est. Ça veut dire que ça y est. Voilà. Ça y est. Oh non, faut pas qu'il ouvre la porte. Oh non. Oh, il va ouvrir la porte. Ouvre pas la porte, non. Idiot. Il a pas recherché meurtrière, je crois. Et du coup, il va pas pouvoir taper les unités. Non, mais ça va, elle va se fermer vite. En vrai, à quoi que. Comment. Oh, voilà, c'est fermé. Verrouille. 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 Non, mais de toute façon, il sortira pas. Hein. Non. Ah non, quoique. Regarde ces paysans là. Oh, verrouille. Non, ils peuvent pas passer. Ça ne va pas niquer la game. Il y a les meurtrières. Ouais, mais ça prend zéro dégâts des flèches. C'est ça le problème. Les Huskarl. Ouais, ça sera plus adapté, mais ça fait zéro dégâts. Ça prend zéro et Kalen, ça y est, va devoir s'occuper de cette merveille. Alors qu'il va, je pense. Vas-y, attaque-moi. Ça a fait 25 subs. Et là, regarde, Kenny va devoir. Qu'est-ce qu'il fait? Et par contre, faut avancer, Kenny. Hein. Là, je sais pas ce qu'il fout. Pourquoi il recule à l'infini là? Il se passe rien au sud de sa base. Il voulait dire 25 subs offerts. Ça a dit, vas-y, attaque-moi. À prendre ou à laisser. Oups. Tu parles. Alors, ok, bah c'est fini hein. C'est dommage ça. On y a cru. On y a cru. 50 subs. Le Mangono.
Le Mangono. Ah, il y a quand même un Mangono. Ah oui, là. Le Mangono. Ouais. Il est là. Et sweet. Boum. Ils viennent dangereusement vers le Mangono. Attention, le Mangono là. Ça fait tellement zéro de dégâts. Allez, il y a 2000 tours qui tirent sur Seuska. C'est abusé, c'est trop fort. Ça adieu, m'énerve. Le château. Oh, l'effondrement. Bam. Et hop, ça tue toutes les unités. Le rêve. La merveille qui se fait attaquer. En plus, je crois que tout le monde la voit se faire attaquer. Hein. C'est-à-dire que tu vois juste le brouillard de guerre autour. Et donc, quand il va commencer à la taper, ça va se voir. Lib a dit j'accepte. Est-ce qu'on aura une intervention? Est-ce que le Rohan répondra? Est-ce que le Rohan répondra? C'est la question. Je crois pas qu'il est en mesure. Lib est en train de se refaire pour monter en score. Moment deuxième. Mais qu'est-ce qui se fait oublier en deuxième. Mais le truc, c'est que Moment, il est en train de raser Lib et je crois qu'il a tout perdu. Ah non, pas du tout. Il a pas tout perdu. Il continue de raser Lib. Enfin, ça va pas être fou contre les châteaux, Shukunu. Ouais, mais n'empêche qu'il empêche Lib de remonter. C'est vrai. Et je te rappelle que c'est Lib qui mène au classement général. C'est vrai. Alors qu'il tanque avec ses paysans pendant qu'il attaque avec les canonniers. Oh, les canonniers qui font du hit and run. Blah. Ah, j'adore le bruit. Mais c'est pas si efficace. Hein. Ouais, non, bah en fait, un par un, c'est de la merde. Hein. En fait, je sais pas s'il fait du clic à chaque fois, mais ça marche pas. Oh, il y a eu le square qui arrive. Oh, là, c'est au cac. Bam, bam, bam. Adieu. Ah, c'est sûr. Paf. Mais on dirait vraiment des légionnaires romains, les Huskars. Ouais, j'avoue. Juste les boucliers ronds, quoi. Oh là là, c'est terminado. Allez, plus que 4. Les 4 mousquetaires, là. Plus que 2, plus que 1. 0. Kenny, terminé. Ouais, Kenny n'a plus d'armée. Est-ce que Kenny va se refaire quelque part? C'est donc Kalen et Moment qui vont mener le score, qui vont mener la danse. Tu vois la merveille? La merveille. Ok. Je suis trop content, j'ai pas encore planté. Nous dit Momanus. La merveille, on va dire au revoir. Hein, parce que bon, des points de vie byzantins supplémentaires, c'est utile, mais ouais. Ça a ses limites, hein, malheureusement. Elle est belle la merveille byzantine. Et c'est la fin de la merveille. Oh, on a pas vu l'effondrement? Non. Si. Le Strong, quoi. Pardon. Mais fallait me le dire avant. Eh bien, et Pierre, dommage qu'on puisse pas piéger ses propres bâtiments. Mon tombeau sera votre tombeau. Oh là là. Là, il se passe plein de trucs. C'est-à-dire que là, on a Kalen qui gère les deux batailles. La destruction de Kenny et la destruction de la merveille. Pendant ce temps-là, on a Moment qui détruit... Hein. Lib, c'est chez moi, là. Lib, c'est chez moi. C'est pour ça qu'il lui a dit ça. Parce qu'il est totalement en haut. Et d'ailleurs, il va la voir. Donc, Moment qui attaque Lib. Attends, mais... Coca qui est en train de se refaire, mais comme Jaja. Hey, là, il est bien. Coca, hein. Comment ça va être bien, Coca? Coca, c'est trop marrant. Coca, on l'a laissé tout à l'heure, il était mort. Ah non, mais de toute façon, c'est ça. Hein. Tant que tu snipes pas tous les forums, tous les villageois, tu peux revenir. Dans le FFA, ça fait toujours très mal. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Des bûcherons de Moment. Alors que des bûcherons chinois traversent la map. C'est pas bien. Est-ce que Kenny a isolé des unités? Je crois pas. Hein. Ah si, là, à droite en bas. Ouais, voilà, ok, il isole. Alors que le lion. Il isole un petit peu quelques unités ici. Il est à 9000. Kalen et Moment. Alors, Kalen, s'il est premier. Ouais. Si Kalen est premier, qu'est-ce qui se passe en termes de score? Je pense qu'il est. Ouais, il faudrait que Lib soit deuxième. Et c'est mal parti. Alors attends, est-ce que. Tu penses que Moment peut le tuer là? Ah il oui. Il a quoi comme unité, Lib? Il a rien. Il a ça. Ah ouais, il a tellement rien. Ah, il a si, ça quand aussi. Même. Ouais, non, mais... ça se frappe. Il a pas de quoi avoir des. Ils vont se faire massacrer par les Shukunu là. Là, les arbalétriers à répétition, ils vont faire qu'une bouchée des piquiers. Pas vraiment le cutter. Ah, et Pierre a abandonné. Oh. Et Pierre qui a décidé de regarder le match. Il a démissionné. Bah, il a fait son office. Il nous a fait rêver l'espace de 50 ans. Bah, il dit voilà, j'avais plus rien, je pouvais pas revenir. Effectivement. Bah, oui. Surtout qu'il serait jamais revenu contre un Lib ou contre un Coca. Il avait beaucoup trop d'écart. Donc, effectivement, choix. Cortège. Ok. Alors là, si ça. Attends, c'est des saboteurs, les bombardiers. Ah oui. Oh, il va tout faire péter. Les Suicide Man. Oh, ça va faire mal. Attends, est-ce que ça fait du dégât De zone, oui. Ils vont se tuer entre eux s'ils les laissent trop à côté, je crois. Oh, mais ne fais pas ça. Il va en avoir ne un seul. Il y en a un seul qui va exploser. Non, ça va. Non, c'est bon, ils ça fait. J'ai cru que ça allait STK. Fais voir leur PV. Non, ils ont. Non, 50, ouais, ça STK. Non, ça STK pas. Heureusement. Mais ça se. Il y avait pas du TK dans les premières versions, il me semble. Je sais pas doute, du tout, mais il me semble. Oh ça fait zéro dégâts contre les bâtiments. Si ça va. Vas-y, il a snipé. Si ça fait mal contre les bâtiments. Là, moi, ma question c'est si Moment dirige toute son armée chez Kalen, est-ce que. C'est-à-dire, alors Kenny pourra pas revenir. Bon, Moment sera premier de la game. Mais du coup, ça ferait top 2, top 3. Une bataille Kenny-Coca là. Ah. Il reste une demi-heure de game, tout peut se passer. Hein. Franchement, tout peut se passer. Tu penses que Kalen peut ne pas être premier là? Non, mais je pense que Moment peut ne pas être deuxième. Ah. C'est possible, je pense. Après le truc c'est que Kalen, plus le temps va passer, plus il va avoir du nit. Et en fait, je sais pas, faut voir. Parce que là si Kalen est premier. Ouais là non mais je pense que là il faut qu'on Je vais éliminer tout le monde pour Xbox. Pour Xbox.
Aïe aïe aïe. Time to shine. Kenny qui a dit time to shine. Qu'est-ce qu'il fait? Non mais il a dit ça à un moment. Ah il disait ça juste à un moment, ok ok. Non il a dit ça à Kalen peut-être. Parce que là il peut plus trop shine Kenny je crois hein. Il me semble pas qu'il se soit Alliance Kenny un moment. Attends. Et imagine si Coca sort Coca. De l'ombre. Hey, non mais c'est pas. C'est quand même pas ouais, mal si, ouais, ça. J'allais dire c'est pas si fou parce qu'il y a beaucoup d'hussards, mais en vrai il y a quand même beaucoup de Mangudai d'élite. Mangudai d'élite. Ça va hein. Il peut faire quelque chose avec ça. Il peut potentiellement c'est vrai que là, passer Kenny. Il peut honnêtement passer Kenny. En une demi-heure il passe Kenny c'est sûr. Il passe quoi? Oui, il dépasse Kenny, c'est sûr. Non, mais je me demande s'il peut pas passer devant Kalen. Si vraiment il attaque maintenant et qu'il commence à scorer, tu vois. Tu penses qu'il passe Kalen? Je sais pas. Parce que ça va vite, hein. Il est malade. Parce que Kalen. Non, mais en fait, Kalen. Si Kalen perd du score et Coca remonte. Bon, après, faut quand même faire 7000. Ouais, c'est chaud. Faut c'est faire chaud, 8000 hein. Même. C'est vraiment chaud, je pense. Ah, je sais pas. Mais là, ça peut-être un peu trop du sard et pas assez de Mangudai, mais on va voir. Oh, il cherche. T'as vu, il cherche. Il cherche Kenny. Pas de la map. Il cherche Kenny. Kalen. Alors qu'il est là. Il est ici, Kenny. Ouais. Alors que Lib arrive à l'âge impérial. Alors que le lion. Ouais, le lion attaque. Qui se fait gérer par la villageoise, pas de soucis. Jusqu'au moindre villageois. Moment, voilà, moment. Clean. Oh, le peloton d'exécution sur le visage villageois de Lib. Coca qui passe avec sa relique, ça me fume. Ah, mais il s'est refait, Lib en fait. Un peu, ouais. Tout va bien en fait pour Lib. Tout va pas bien parce que dès que moment switch avec toutes ses unités. Mais il y a beaucoup de châteaux quand même. Hein. Ouais, et moment, il y a que des archers. Il hein, y a deux châteaux. Cavaliers, cataphracts. Ah, les fameux. Fais voir les cataphracts, ils ont changé, je crois. Ah, les fameux cataphracts. C'est vrai trop que c'est stylé comme unité. Ah ouais, c'est grave. Ça fait des dégâts de zone. C'est une unité emblématique, hein. Bien sûr. Dans Age of Empires. Mais tu sais qu'en plus, maintenant. Enfin, avant ça le faisait aussi, mais je crois que ça a un dégât de piétinement. Genre, ah quand ouais ça se déplace par une unité, je crois que ça lui fait des dégâts. Ah ouais. Genre, ça bouscule. Mais j'ai pas testé en jeu, je sais pas à quoi ça ressemble. Mais apparemment, c'est en effet un passif de cette unité. Qui fait que ça fait un peu plus de dégâts qu'un cavalier normal, quoi. Ok, on a Kalen qui a fini par trouver Kenny, pardon, en bas de la map. Donc là, Kenny, ça agace, ça l'agace, Kenny. Quelques canonniers, il va devoir back. Voilà, il est en train de back pour revenir. Après, il peut le gérer avec la micro. J'allais dire, il y a un bon wall. En fait, il est beaucoup dispersé. Donc ça, c'est un peu la chance de Kenny. Faudrait qu'il aille tout de suite repérer genre le groupe de gauche. Et non, pas le groupe de droite, parce qu'après le groupe de gauche va arriver, ça va faire le gaga au secours. Aïe, Kenny qui se fait un petit peu chasser là dans son forum. Eh, hey, j'avais pas vu chez Coca, on a une attaque de Kalen. Mais Mangudai. Mais c'est contre, géré, hein, c'est totalement géré. C'est géré, mais. Il perd beaucoup d'unités, mais ça, c'est géré. Ça, il doit se dire, ça met quand même du temps à mourir. Ah ouais, c'est clair. C'est clair que ça met masse temps. Hein. C'est un cauchemar. Hein. C'est fou, quoi. Et pendant ce temps-là, chez Kenny, on s'en est sorti. Donc Kalen qui a perdu ses deux armées. Enfin, ses deux armées. Là, il y a la. Ah ouais, là, c'est. Kenny va se prendre la reprod. Quelle armée? Kenny se prend la reprod, c'est ce que je me demandais. C'est ça, les ressources. Ah ouais, là, il y a toutes les casernes. Ah, c'est fini pour Kenny. En fait, le truc, c'est que Kalen, il accumule tellement de ressources tant que ses armées sont en vie que il reprod un stand dès qu'il perd, quoi. Après, Zerg honnêtement. Zerg player. Totally Zerg player. Juste Zerg player, en fait. Ouais, non, c'est terminé là pour Kenny. Coca a réussi à se débarrasser de Kalen. Moment est en train d'essayer d'attaquer. Oh, il s'empale totalement chez Lib. Il a pas de trébuché. Il faut qu'il reprod aussi. Ah, s'il en a là, mais bah bon. faut pas que ça s'empale. Faut les protéger, au secours. Ah, va en bas. La micro. Au secours. Ah, Kenny a abandonné. Ah, Kenny a abandonné. Aïe, Kenny. En même temps, honnêtement, là, il doit être déçu. Il y avait plus rien à faire. Et du coup, Kalen s'en va direct. Mais moi, j'aurais pas abandonné. Ouais, bah ouais, il y a Lib encore. Parce que du coup, Kalen, il sait qu'il peut s'en aller, tu vois. Mm. Alors que là, il serait resté. Ouais, c'est vrai. Hein. Alors que là, il serait resté. Je sais pas si j'aurais abandonné pour faire le close game. Je pense qu'il doit. Ah, il reste deux trébuchés. Il doit être un peu dépité, je pense, Kenny. Normal. Faut le comprendre aussi. Il est où Kalen? Demande Coca. Il est où Kalen? Comme je le fume. Il est où Kalen? Amenez-le-moi. Non, mais je sais pas ce qu'il fait là, Kalen, mais clairement, je. Oh, regardez le clash au milieu là, vert jaune, à droite. Oui. Là, le combat. Ouais, il est là, Kalen. Passe. Il l'a trouvé. Allez, il l'a pas trouvé. Il a trouvé une armée, un bout de l'armée. Un bout de la. Ouais, ah, mais c'était bien de le coincer là. Ouais, c'est pas mal de le coincer ici. Ouais, mais il y a la reprod en fait. En fait, tant qu'il touche pas ces bâtiments de reprod, ça sert à. Les formations tortues, c'est carré. Et là, les champions, c'est fini. Ouais. Hein. Là, les champions, c'est fini. Hein. On va re-switcher. Hein. On va passer en Huskarl d'élite à 100%. Oh, il l'a massacré quand même. Mais, il s'est même pas fini de battre. Il lui a là, tué. Coca, il dit ok, c'est bon, c'est win. Ah merde. Ok, on s'en va tout de suite. Non, mais là, l'histoire, c'est est-ce que Moment va continuer sur Lib ou est-ce qu'il va aller chercher Kalen? Ouais. Je sais pas. Oh, qu'est-ce qu'il est. Oh là là, tellement de Huskarl d'élite. Moment, il veut scorer chez Lib. Je pense, ouais. Moment, il veut 100% scorer chez Lib. Ici, on a un petit trébuchet. Attention à ce petit trébuchet. C'est intéressant comme tir, ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Chandelle. En fait, il a fait attaquer zone. Oui. Et il a tiré ici. Ok. Bon, ok. Intéressant. Pendant ce temps-là. La micro légendaire de Moment, joueur de StarCraft. Ouais, effectivement. Hein, professionnel. Il a peut-être planté. Il doit avoir planté. Est-ce qu'il a planté en vrai? Peut-être.
Non, ça va, ça va. Je croyais. Non, quand même. Ah, donc comme quoi, planter ou pas planter. Ah, ça y est, c'est bon. J'ai entendu le stream. Ah non. Détruit des arbres. Bon allez, pour éviter de voir cette merde, on va switcher sur l'armée de Huskarl d'élite de Khaled qui se bat contre celle de Koka avec les Mangoudaï d'élite. On a quelques champions qui viennent tanker. C'est aïe, bien aïe, aïe. C'est bien le switch de Koka ici. Regarde, il est en train de tuer beaucoup plus vite que prévu grâce au switch de champion qu'il a fait, mais ça ne suffira pas. Ils sont où les champions? Moment help, nous dit Koka. Ils sont où les champions? Bah il en reste quelques-uns. Il en reste un là, il y en a là, il y en a là. Ah, c'est terminé. Mais ils sont là, regarde, ça reprod, ça, ça reprod. Reprod, ça reprod. Mais c'est intelligent le switch. En vrai, ça reprod bien et il va pouvoir se défendre. C'est oh là, attends, je vais gagner un pour revenir. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ah, il est entouré. Il est dead. Pas de chance. Alors que Khaled ne reprod plus. Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il est enfin coincé en termes de ressources? Oula, oula, attention. C'est léger en or ça. Attention, ouais, attention, je crois qu'il va avoir un problème d'or. C'est ça en fait le souci des Huskarl, c'est qu'au bout d'un moment, c'est une unité qui va demander si de l'or. Et au bout d'un moment, tu peux pas reprendre éternellement. Ouais. Quoi. Parce que là, Koka il se dit, j'ai éliminé ça, mais il y a sûrement le quadruple qui arrive, comme d'hab. Et en fait, non. En fait, rien n'arrive. Mais Koka peut totalement comeback, il reste encore 19 minutes. Mais c'est ce que je game. T'avais dit. Mais ouais, t'as est-ce raison. Que Koka peut repasser premier parce que Khaled va perdre du score et visionnaire. Je pense que... Non, mais je sais pas, attends. Visionnaire en fait. Je suis visionnaire. Alors bon, que Lib perd ses châteaux un par un. C'est bien parce que c'est un moment qu'il est installé comme ça. Bon, le siège. Bah hey, lui, il score, personne l'attaque, il est tranquille. Ah voilà, ça reprend côté Khaled. Depuis tout à l'heure, sa micro dans tous les regarde. Sens, ça donne sa vie. Regarde. Il est en train de tuer des unités. Il s'en fout. Oh, presque. Bah, non, mais c'est un Huskarl. Oh là, la portée là. Mais tu sais, genre, t'as la bataille de ouf au milieu, et puis t'as, en haut, t'as un moment, il est là. T'es installé dans son siège. Bon, bah ça rush, il y a le petit push. Attends, un moment qui va choper le. Qui va choper le point de ralliement. Man. Les hommes bombes. Les bombes man. Oh ouais, mais là c'est pas mal hein. Là, c'est... Les ça, ça arrange vachement Koka. Ça, ça arrange vachement Koka. Un moment qui va interrompre le. Oh, et... attendez. Attends. Rebataille. Les hommes bombes, ça peut être pas trop fort contre les packs du Skarl. Ah si, ça c'est sûr. Si t'arrives à bien les micros. C'est pas juste contre les bâtiments, on est d'accord. Ça peut faire trop mal aussi aux unités les bombes man. Va falloir payer un péage pour passer Khaled. Ah voilà, Khaled qui se fait avoir par moment, il lui dit paye un péage. Ah ouais, peut-être qu'il va lui dire donne-moi des gold. Ouais. Laisse-moi tranquille, wesh. Ça c'est Lib qui dit ça à un moment. Ah, oh dégâts. Regarde près de Lib là. Oh, pff. Bon, bah, ah non, non, il y a. Bon, il en perd un, c'est pas il grave. Il s'en fout. Alors que les tirailleurs d'élite. Yeah. Ils sont là. Let's go. Allez, on est le counter des archers, non? Pas du tout. Eh bah non. Attention quand même au. Ouais, au à clic. Ouais, tellement oh, le château il va mourir. Trop marrant parce qu'au moment il suffirait qu'il arrive par là. Ouais. Et ça changerait tout. Surtout, attends, mais surtout que là s'il fait le tour. Ouais, mais non, et il qu'il y arrive comme ça. Les Shukono ils vont les cribler de flèches. Ouais, c'est vrai. Ça va être trop fort. J'ai envie de voir ça d'ailleurs. Plus assez de champions pour Koka. Au pour l'instant. Au secours. Bah, lui il est premier en score. T'inquiète que jamais. Ah, ouais, non, mais Lib il lâche plus là. Il le lâche plus. C'est vraiment intéressant hein, cette bataille Khaled moment Koka. Qui l'eût cru? Ah ouais, vraiment, je les champions, il y en a pas assez, il y en a quelques-uns, mais pas assez. Non, Koka, pas ça assez, fait hein. Plus assez de dégâts sur les Huskarl d'élite. Ça coûte trop cher, les champions. Oh! Oh, les Mangoudaï! Oh, attention! Oh non, c'est de la merde. Non, pas du tout, c'est de la merde. Mais attends, il peut se passer des choses. Hein. Là, oh, regarde! Oh, bam! 3 par 3. Et ça compte! Ça compte, ça compte à ce stade-là du jeu. Continuez de tirer! Regardez, bam, bam, bam! Ça fait de la haut. Oh, ça fait tellement mal! Il a fait des dégâts, hein! Oh, c'est tellement stylé, les Mangoudaï. Il a pas fait assez, mais il a fait. C'est dommage. Blam! Non, mais il s'en est sorti, hein! Ah, mais attendez, je n'ai rien dit car. La ligne verte! Quelle horreur! La ligne verte, mon cher Alpha! Quelle horreur! Les champions qui sortent. Bah, il va s'en sortir, honnêtement, il s'en sort, hein! Pour l'instant, il y arrive encore! Ouais, les Mangoudaï, heureusement qu'ils sont là, hein! Ils DPS, hein! Ouais, en fait, grave. Même si t'as pas l'impression qu'ils tuent vite, ça fait un moment qu'ils sont là et ils ont eu de la value, hein! Ouais, clairement. Parce que sans ça, il aurait plus d'armée. Lib qui perd toute sa base, il n'y a plus aucun château. Forcément, quand t'as 2000 trébuchés ou normalement. Bon, là, il peut entrer. Hein. Bon, c'est... Là, c'est open. Hein. C'est open mid. Oh. Par contre, les halbardiers. Oh, je veux voir ça contre les Shukono d'élite. Encore faut-il qu'il les voit. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il attaque. Qu'est-ce ça. Yes. Fait je pense qu'il les a laissés. Oh libres. Les trébuchés, ils sont. Ah, ouais, il a vu. Attention, les Shukono d'élite. Il a vu. Ça va être un massacre. Ça va être un massacre. Feu moment, mais... Non, non, toujours pas. Toujours pas. Il a peut-être planté. Hein. M'énerve tellement. Il a peut-être planté. Non, je plaisante, il n'a pas planté. Peut-être qu'il a cru que c'était des banlings, sauf que c'est que contre les bâtiments. C'est ça. C'est que contre les bâtiments. Les hommes bombes. Bon, oh ça s'est bien passé. Là. Même les trébuchés s'y mettent, ah regarde. Mais criblé de flèches, hein. Et Lib a démissionné. Donc ça y est, il ne reste que 3 joueurs, mon cher Alpha. Ils veulent tous voir la game. Hein. Et là, faut scorer et tout, donc pourquoi pas. Et ça y est, il y avait trop. Il y avait trop et Khaled est en train d'entrer chez Koka. Donc on va avoir un Khaled premier, c'est quasiment sûr. Et je pense que Koka ne pourra pas faire les points pour remonter. Hein. Normalement, c'est ça. Hein. C'est bah ça qui se passe. Sauf si Koka défonce l'armée de moment. Ouais, mais en termes de scoring,
vu qu'on avait Coca le bon Bono. Ah, remarque, Coca était deuxième. Mais en fait, ouais, non, Kalen et Coca étaient égalité en deuxième. Ouais. Donc c'est Kalen qui serait premier. C'est vrai. C'est Kalen qui serait premier, effectivement. Pas mal. Pas mal du tout. La ça a l'air d'être totalement géré pour Kalen. Oh là là, la vache. C'est dur, hein, là. C'était c'est une game incroyable. Ouais, elle était folle, celle-ci. Hein. Elle était vraiment folle. Il se passait tellement de trucs en même temps. Une game incroyable, surtout. Alors, tout le monde a joué. Tout le monde a joué à sa façon. Même Aïpierre. Même Aïpierre, c'est ça. Et même moment, puisqu'il s'est pas fait découvrir. Et le Mangono, là. Le Mangono, on y croit à fond. Blam. Bam. Oh, c'est bien, ça. Ça fait mal, quand même. Ah, mais c'est trop... C'est vraiment l'unité la plus spectacle du jeu, quoi. Bah ouais. Trop cool, les Mangono. Raté. Ça fait mal, ça. Allez, peut-être là, non? Oui. Ah oui, recule. C'est bon. Bla. Non, raté. C'est bon. Il a gagné cette bataille. Sauf que... Quel enfer. Au secours. Regarde en dessous. En fait, 2000 unités. Oh, putain. Putain, c'est horrible. Le flot ininterrompu d'unités de Kalen. Terrible, hein. Mais oh, là. Après, on parle aussi. Là, Coca, c'est quand même un joueur qui s'est refait. Ouais, après s'être fait raser face à Kalen qui a... Pour ceux qui viennent de débarquer, ce n'est pas la base de Coca ici. Ouais, hein. C'est sa deuxième base qu'il a pu refaire. Cette game, elle a duré, cette game. Ah ouais, elle a duré. Il revient de loin. Elle a vraiment duré. Mais là où Kalen a été très intelligent, c'est dans l'affrontement contre Kenny, le switch champion, quoi. Le switch champion, c'était trop malin. Ah, c'est parce clair. Que Kenny était bloqué sur Huskarl et il pouvait pas se permettre de switch. C'est dur, c'est rude. C'est marrant parce qu'une fois Lib éliminé, c'était vraiment la bataille entre Kalen et Coca pour le score. Ouais. Et finalement, c'est-à-dire que même là, si moment détruisait Kalen ou quoi, je pense qu'il y aurait même pas espoir. De toute façon, il peut pas le détruire parce qu'il finirait par se prendre la reprod, c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours pareil. Moment qui continue de scorer, comme ça. Et tu le fermes. Bah, moment, c'est sa seule game. Donc il a peut-être pas envie de s'empaler, quoi. Ah, il en profite. Il a pas envie de s'empaler. Il va tranquille. Alors que Kalen contre Coca. Il faut qu'il s'inquiète quand même, hein, parce que. Il y a plus beaucoup. Oh là, la formation de Huskarl, regarde. Qui arrive là. Ta ta ta. C'est parti. Ouais, mais là, il y a trop. Hein. Ils sont tellement spread en plus, horrible. Qu'est-ce que tu veux faire? Il a des piquets. Il a plus de ressources, Coca. Il fait il a rien. Peut. Il a rien. Il a plus rien. Il n'y a plus rien à les faire. Hussards. Oh là là, fuyez, pauvre fou. 9 minutes de jeu restant. Il en a tellement et ça one-shot même pas. Ça ne one-shot pas. Ça, non, ça two-shot, mais ça one-shot quelle pas. Horreur. C'est terrible. C'est vraiment horrible. C'est infini. Ah ouais, ça c'est pas mal en tout cas là où il s'est mis. Ouais. Ça ouais. C'est très intelligent. C'est un après, petit, bah, là du coup, dommage, il s'est reculé, mais au bout d'un moment, c'est-à-dire que. Les petits force field et tout, ça aurait été parfait. Là, des petits force field. Mais malheureusement, il n'y avait pas de force field. J'avoue que les forces. Bah alors Kenny. non, il a quitté. Alors Kenny, qu'est-ce qu'on fait là? C'est normal. Et moment, hein, moment qui va juste aller raser cette base. Hein, alors, moment contre Kalen. Il n'avait pas envie que Lib gagne. Non. Alors, si les Mangudai de Coca face à Kalen ne marchent pas, est-ce que les Shukonu d'élite de moment marcheront? Spoiler, non. Non, pas du tout. Ça ne marchera pas, effectivement. Pas du tout. De toute façon, honnêtement, là, moment ne changerait rien à l'issue de la game, puisqu'en fait, Kalen et Coca ont trop d'écart. Ils ont trop d'écart, c'est-à-dire que même si là, moment fonce sur Kalen, ça ne change absolument rien à la game, puisqu'ils ont 10 000 d'écart, Coca et Kalen, et honnêtement, même en rasant une base, 10 000, vous les rattrapez pas, hein, pas du tout, à moins que ce soit celui qui a 10 000 d'écart qui rase, mais là, ce ne sera pas le cas, mesdames et messieurs, et on y va, j'ai l'impression, hein. On va totalement chez Coca, au moment qui a compris ce qui se passe. Ah bah là oui, en effet il faut vite sauter à la gorge de Coca pour l'empêcher de score à tout prix. Mais je pense qu'il pourra pas score. Hein. Ouais, il reste 6 minutes. Hein. Il a genre un go là en armure qui lui tire la jambe, il est là, laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi, mais non. Ah c'est incroyable. Kalen on le connaît, il est vraiment... Mais pourquoi? Tu vois il a pas changé de focus. Alors les gens qui disent moment on peut passer premier etc, oui mais ça change rien. En fait, ça ne change absolument rien. Ouais, c'est-à-dire si que Kalen gagne. Si Kalen est deuxième et Coca est troisième, c'est quand même Kalen qui gagne. Parce qu'en fait, Kalen et Coca sont ex aequo. Ouais. Donc entre les deux, c'est celui qui est le plus haut en score qui gagne. Et voilà. Oh, alors que les unités AFK de Lib qui détruisent moment. Mais ouais, moment qui perd contre un joueur qui va perdre contre un AFK. Pourquoi pas? Non, c'est bon, c'est clean. Et pas beaucoup de monde. Oh là là. Oh, c'est dur là. Coca qui tente tant bien que mal. Ça doit être si frustrant pour lui de voir autant de troupes aussi difficiles à tuer. Oh les Shukonu. Quelques unités de moment qui sont contre Kalen, mais regarde, c'est incroyable. Ça fait mal quand même. Hein. Non, moi je suis pas d'accord. Hein. Je trouve que là, je pensais même pas qu'il arriverait au cac et en fait si. Hein. Non mais quand même, hein. Et ça fait plus mal que les Mangudai, ça c'est sûr. Ouais, mais moi je pense que l'armée de moment elle se fait décimer contre Kalen. Ah oui, oui. En une seconde. De toute façon, toutes les armées en fait se font décimer. Non, pas toutes parce que. En fait, le problème de Kalen, enfin le problème c'est que Kalen faut pas le laisser tranquille au début. Oui, c'est ça, faut pas le laisser. Parce qu'il y en a qui sont en mode mais la strat est OP et tout. Mais en fait, non. Parce que vous avez vu que Kalen.
La seule game où il s'est fait un petit peu attaquer au début, il a fait quatrième de la game. Ouais, quatrième de la game. Et il a pas réussi à se refaire et tout. Donc en fait, Kalen, faut pas juste le laisser exprimer son jeu pour faire le late game. Il y a plein de jeux de stratégie où c'est comme ça. Si vous laissez le late game, vous perdez et c'est comme ça. Il y a ça. Et il y a aussi le fait de se. En fait, le problème là, faut comprendre que le focus de cette game, c'était Lip. Et du coup, les gens ont joué en se disant, ok, faut pas que Lip gagne. Ouais. Et ils ont oublié Kalen là-dessus. En fait, c'est ça le FFA, c'est que t'oublies toujours le. En fait, le plus dangereux, c'est le deuxième. C'est jamais le premier. Ouais. Parce que le premier va se faire focus, c'est quasi sûr. Et là, le problème, c'est que les gens ont pas fait de compo qui marcherait contre. On l'a vu, Kenny, il a totalement counter Kalen sur l'autre game avec les Bulgares. Avec les Konix, ça aurait été parfait comme unité contre les Huskarl. Mais malheureusement, là, on n'avait pas de Bulgares et donc on n'a pas pu counter Kalen. En fait, Kenny, au lieu d'essayer de counter Kalen, là, il a essayé de jouer son jeu. Malheureusement, il s'est fait prendre dans d'autres guerres et il s'est fait backstab, quoi. Donc là, c'était dur. C'était ouais, totalement. Dur. Mais Kalen qui a bien joué sur le Switch Champion face à Kenny. Hein. Faut pas lui enlever ça. Hein. Clairement. Ah non, mais de toute façon, Kalen a hyper bien joué. Faut pas croire que Kalen il fait juste un point de ralliement et qu'il go. Hein. Ouais. Parce qu'après, il y a les stratégies à avoir. Je vous rappelle que Kalen a aussi détruit la merveille en même temps. Enfin, je veux dire, c'est vrai, ça. Kalen il est sur tous les fronts. Il gère 2000 trucs. Ne croyez pas que juste Kalen il a la bonne unité et qu'il go. Hein. Parce que là, Kenny il avait la même cive et il a perdu en quatrième. Donc voilà, c'est pas juste une histoire de il y a la bonne unité, j'y vais. Hein. C'est ça. Mais ceux qui ont déjà joué un jeu de stratégie le savent. Et en plus, en FFA, il y a vraiment l'intelligence de jeu. Ah ben là, faut finir ça. Faut finir ça, bon. Parce que là, ils vont faire la transhumance pour ramener les ressources. C'est quand même, c'est quand même dommage. C'est quand même triste. Mais ouais, non, mais parce que je les vois, les gens dans le chat sont en mode putain, mais super, mais Kalen, c'est infaisable, c'est de la merde. Et puis, au moment qu'ils le laissent gagner, gna gna gna. Alors, il se passe pas ça du tout non, game. Il se passe pas ça du tout. Les gens font ce qu'ils peuvent. Et je peux vous dire que moment, il se serait fait mais décimer contre Kalen. Hein, ouais, avec la reprend et tout. Là, même s'il y va et tout, si à un moment Kalen en fait, décide que c'est terminé pour le moment, c'est terminé. Hein. Moment, il va souvent jouer comme ça en fait. C'est-à-dire, c'est le joueur, il va pas se s'empaler. Il va se dire, ok, je dois faire des et points. Et surtout, moment, je vais faire des points. Moment, il voulait deny Lib. C'était sa seule mission. Ouais. Sa seule mission. Et après, il y a Kalen, hein, mine de rien. Et après, il y a eu Coca, Kalen et Kenny, etc. Kalen qui revient pas. Kalen qui revient pas. Il reste une minute de jeu. Il fait le base trade, donc il fait du scoring en parallèle ici. Donc il y a pas de. Voilà, c'est fini. Hein. C'est fini. Hein. On a notre gagnant, je pense. Il reste plus que quelques secondes. 50 secondes in-game. Tout à fait. Regardez ces Mangudai qui doivent avoir 25 kills chacun là dans la base de Coca. Les pauvres, ils étaient là. Mais qu'est-ce que c'est que cet arc de merde? Ça fait 0 dégâts, j'en peux plus. Et c'est terminé, mon cher Alpha. Allez, allez. Moment, on n'a pas abandonné, mais c'est tout comme. Et c'est donc Kalen qui gagne ce grand FFA et les 2000 euros de cash prize, mesdames et messieurs. Avec donc un scoring à 28 000 pour Kalen. Hein. Kalen qui aura maîtrisé tout ça, même en ayant fait quatrième à une des games, il aura réussi à gagner. Donc franchement, incroyable. Et voilà, c'est fini. Je vais prendre le screenshot du score. Ah oui, le son en arrière-plan, ça ne marche pas. On va quitter la game pour aller voir un petit peu le scoring. GG. Le GG, mesdames GG et messieurs. Effectivement. Et on va tout de suite aller en vocal. Ah ouais, ouais. Avec Kalen, évidemment. Kalen, c'est gagné! Oui! GG Kalen! Kalen, c'est gagné! 2000 euros de cash prize! Grâce aux go, les go, allez go, tout simplement à chaque game. Ça sort des casernes. Ça sort bien des casernes. On a bien vu. On a bien vu. Ah là, on a vu la prod. Hein. Là, je te cache pas. Bon, pour toi, cette game, c'était comment là? Franchement, enfin, j'ai eu beaucoup de chance sur le placement, le fait d'être dans le coin tout à gauche. Ouais, après. Après, on peut pas dire que t'as été absent de la game. Non. Mais effectivement, ils t'ont laissé tranquille. C'est ce qu'on disait avec Alpha. C'est ce qu'on disait avec Alpha, quand les gens te laissent pas tranquille au début, bah tu fais quatrième de la game. Et quand ils te laissent tranquille, bah tu fais premier. C'est ça. Donc voilà. C'est ça, c'est un peu l'ego. Si je continue à jouer cette cible, il faut que je retravaille l'early. Parce que si on me push l'early, c'est quasi sûr, je suis mort. Tu t'es dit quoi quand t'as vu que Kenny avait l'ego aussi? Je me suis dit, bah tant mieux, parce que moi je sais counter l'ego. Ah, et donc c'est parce que t'as fait les champions, c'est ça? Ouais, les champions. Bah, en fait, les champions, ils ont un dégât en plus et un d'armure en plus que les Huskarl. Et ils ont un bonus contre les unités uniques. Donc en plus, ils font plus mal, quoi. Donc c'est ça. Donc ils font encore plus de dégâts contre les Huskarl. Donc c'est pour ça que j'ai pu le push et. Et voilà. C'est marrant, il y a quelqu'un qui a écrit dans le chat. Pour l'instant, les voisins d'Hypierre ont 100% de victoire dans les games. Coïncidence, je ne crois pas. Incroyable. Bon, hé, Kalen, le FFS gagné. Et maintenant. Trop fort. Le FFA Age of Empire. J'ai une super fin d'année. Ça va, Je suis un peu, mais là, je suis un peu ton avec sponsor. Le top 3 Game Pass. bientôt écurie ZT. Ouais, j'avoue. Hein. Il aurait fallu faire le Game Pass. Il fallait gagner le Game Pass, Kalen, là. En plus, c'est vrai que t'as eu le cash prize au Game Pass, putain. Demi-finaliste. Ouais,
incroyable. Et la demi-finale, ouais. Dans tous mes events, ils gagnent de l'argent, ils pensent qu'à ça. Non, ben ouais. Il y a un pattern, hein. Il y a un pattern qui se respecte. Ils jouent juste pour l'argent, Kalen. La passion, la passion. Non, mais en tout cas, bravo, bravo à toi, Kalen. Tu les as massacrés et tu mérites largement cette victoire. Donc GG. GG, bravo. Merci. Et incroyable. On va aller en vocal avec tout le monde et on va prendre un petit peu la température et voir ce qui se passe. Je te switch. Alors, que donne le classement total du coup? Je vais aller faire. Salut à tous, GG. Yo, ouais. Yo. Incroyable. Bon, aïe Pierre, désolé, hein. Presque. Presque. Ah, presque. Vraiment presque. Si seulement j'avais fait plus de, je sais pas, de tours. De tours, de châteaux, de murs. En fait, t'as dû faire la merveille un peu trop tôt, en vrai. Ouais, c'est ce qu'on pense, se disait. Ouais. Tu l'as fait 10 bon minutes endroit, trop tôt, je pense aussi. Je pense que c'était pas le meilleur endroit juste à côté de Kalen. Bah, en vrai, si tu l'avais fait dans le coin, là, le petit coin là. C'est vrai qu'à côté de Kalen, c'était dangereux. Ouais, mais dangereux. Bon, de l'autre côté, t'aurais eu Kenny, donc est-ce que ça aurait changé pas grand chose. Ouais. J'étais pas placé idéalement pour là. C'est vrai que ça aurait été pas mal. Ouais. Bon, comment ça s'est passé pour vous cette game? Racontez-nous un peu là. J'ai pas planté. Bien joué. Il aurait gagné le tournoi. Mais bon, ah. Regarde, deuxième sur la seule game où en il a pas planté. Planté. Pour être honnête, je vais dire la vérité. Pour la dernière game, j'aurais pu éliminer Kalen et j'ai laissé genre Kalen contre Coca. Honnêtement, t'aurais jamais pu l'éliminer. Hein. Ouais, voilà. No offense. Ah ouais. Les Choukounou d'élite, c'est rigolo, en mais fait, contre les Huskar, tu penses que t'aurais pu l'éliminer, mais en réalité, c'est parce qu'il t'a jamais face avec son armée. Ouais, et ça retrode. Jamais affronté. Et en vrai, t'aurais jamais pu gagner. Hein. En fait, j'étais 200 potes depuis le début, hein. J'étais prêt à reproduire comme un ouf, mais ouais. Ouais, ouais, non, mais même. Non, c'était pas la bonne compo. En fait, ta compo était pas bonne. Les chameaux n'auraient servi à rien et les Choukounou d'élite n'auraient servi à rien. Et les trébuchets. Bon, ouais. En unité à distance, les Choukounou, c'est les seuls qui peuvent me faire un peu de dégâts. Parce qu'en fait, Non, mais oui. Parce qu'en fait, comme j'ai 10 d'armure, toutes les unités à distance me font que 1 de dégâts. Mais les Choukounou, comme ils font des rafales de 5 flèches, ils me font 5 de dégâts. Bah pour moi, ce mot, c'était parfait. Hein. J'avais 50 000. Alors, ouais, parfait n'est pas le mot. N'est pas le mot du tout. Pas parfait, mais bon, avec ce que j'avais. En fait, il aurait il aurait vraiment eu trop, je t'assure. Ça aurait été trop dur. En tout cas, sachez que le classement général, c'est donc Kalen, Coca, Lib, Kenny, Moment et Hypierre, avec un score de 5, 8, 9, 10, 14 et 16 respectivement. Donc bravo, donc c'est vos positions dans les games. Bravo à vous, Kalen vous a simplement massacré. Et ouais. Mais Kalen, franchement, attaquez-le au début des games. La seule game, vous l'attaquez au début, il fait 4ème. C'est ça. Hein. Et sinon, il fait premier. Comptez le nombre de personnes qui l'ont attaqué en early. Kenny qui est là, faut tout faire soi-même. Incroyable. Non mais en tout cas, merci à vous en tout cas d'avoir joué et d'avoir accepté cette invitation. C'était vraiment trop cool. Vous êtes amusés, j'espère. J'espère que c'était incroyable. Trop heureux. Meilleur jeu ce jeu, hein, vraiment. Ah oui, c'est vrai, 6 pour Kalen. Et bah non, pas du tout. Ah oui, il est 4, c'est vrai. Ah, il a 6 de score. Ouais. Bon, et Coca, incroyable, hein, ce niveau. Moi, je t'attendais pas là. Hein. Bah ouais, mais c'est fou. Putain, je savais pas ce qu'il fallait faire face au truc là. À la FFA. Déjà, hein. Kenny, déjà, ouais. Je le vois débarquer chez WAM avec les Ursacs là, seulement. Les coniques Huskarl, ouais. Huskarl, ah oui. J'ai pas du tout checké quel civ il avait pris. Et dans le lobby avant, je dis ça me counter et il le prend et moi je check même pas, tu vois. En vrai, je le savais. Je me fais défonce et en vrai, je me refais pas mal dans mon coin de map parce qu'ils ils savent pas que j'ai un forum caché là, quoi. Et malheureusement. J'ai pas pu. Coca, c'est vrai que toi, t'as vraiment eu deux games dans la game, quoi. C'était vraiment. Fou. Moi, il y a eu d'abord celle où j'embête Lib et après, je recommence ma partie. Ouais, c'est ça. Retour au lobby. Il s'est tellement refait, c'était incroyable. Ouais, mais Lib. Fou devant mon ordi. J'avoue que Lib, là, par contre. Le push, lui, Manguda, il fait mal. J'ai pris tout l'enfer là, c'était incroyable. Je t'avoue Lib, on y a très vite pas cru du tout. Hein. Ouais. Ils veulent pas qu'il gagne le tournoi. Salut. Il y a eu très vite ce moment où on s'est dit bon du coup il gagnera pas. C'est vrai que t'as pris un peu cher. En même temps t'étais premier du classement, fallait s'attendre à se faire focus. Jeu, hein. C'est pas grave, c'est le jeu, ils ont bien joué. Hein. En tout cas, franchement, GG à vous, c'était incroyable. Je pense qu'on n'a pas fini de voir du Edge of Empire. Vous êtes beaucoup à avoir joué et moi, j'étais très content d'organiser ça, donc c'était super. J'espère que vous reviendrez si on refait un event, les gars. Et voilà. Je précise aussi. Ouais, voilà, exactement. Je précise aussi de ce moment-là pour dire que tous les streamers que vous voyez ici, ils ont streamé du Edge of Empire et il y en a qui vont continuer. J'ai vu Kenny qui disait on fait du 2v2, Coca. Oui. Trop marrant. Donc voilà, n'hésitez pas à check pour les streamers. Moi je veux du coaching. Voilà.
Du coaching. Ah ouais, Alpha il a joué, il veut jouer. Quand tu veux du coaching. Il veut jouer. Merci à Microsoft de m'avoir envoyé les t-shirts Wololo là pour le cast. Oh. C'était formidable, on a même eu un petit pins. Bon, hey, je vous laisse les gars, encore GG Kalen, bravo à toi. Merci. Et à bientôt tout le monde. Merci beaucoup d'avoir participé au game. À bientôt. À bientôt. Bon ben bah, mon cher Alpha, écoute, bon dommage que le moment est planté hein. Ça a un peu faussé, ouais, c'est vrai. Ouais, il aurait pu donner. Après, je dois t'avouer que le moins je voyais sa micro de Steplancer, le mieux je me portais. Ah, c'est vrai que là. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'il ait planté, vraiment. C'est vraiment trop dommage. J'avoue qu'on s'est fait mal aux yeux, des fois. Avec les Shukono au corps à corps. Ouais, non, vraiment. On s'est fait mal aux yeux, effectivement, certaines fois. Mais en tout cas, hey, je me suis régalé, encore une fois, comme au Game Pass Challenge. Mais oui, fait, mais c'est toujours un plaisir. C'est que de l'amour, ce jeu. On s'est régalé à voir du Age of Empires. Il y aura toutes les rediffs sur YouTube, évidemment, mesdames et messieurs, avec un peu de temps, parce que là, il y a tout le Game Pass Challenge à mettre, etc. Donc, j'espère que vous avez apprécié de votre côté. Ça va être la fin de ce live pour nous. Voilà, trois petites games d'une heure, mais c'était on en redemande. Ah oui. On en redemande, évidemment. Ah, moi, je rentre chez moi, j'en fais. C'est direct, on live, direct, full ladder, capuche on, full tryhard. Full tryhard, capuche ladder. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui, en plus, vont s'essayer au ladder de Age of Empires. Hein. À mon avis, il va y avoir une recrudescence de gros noobs. Ils vont se casser les dents. Là, c'est le moment de faire du Age of, là. Et si vous êtes un débutant, rusher. À mon avis, il y a plein de gens qui savent même pas combien on doit faire de péons et tout. Donc, Roger, vous avez été quasiment 30 000 à regarder Judge of Empire aujourd'hui. Donc, c'était fou. Et très voilà. Tatar. Bon, Alpha, voilà, nous on va se laisser là. Petite 2v2, on se couche. Petite 2v2. Non, moi j'ai 1000 trucs à faire en plus là. Je savais même pas si je serais à l'heure pour streamer cette soirée et tout. C'était fou. Mais tu n'arrêtes pas. Mais c'était un mois de décembre incroyable. Bon, mais je streamerai demain. Je sais pas ce qu'on fera. Ce sera mon dernier stream de l'année probablement. Et voilà. Toi, tu pars pendant les fêtes, tu vas streamer un peu. Bah, c'est pareil. Nous on fait un petit tournoi demain. Demain, dernier truc. Et ah après, ouais, je pars. Tournoi de quoi demain? 1v1 sur Overwatch. Allez, un truc, ah, on peut faire du 1v1 quand même. Ouais, il y a des modes 1v1. Donc on a 16 streamers et 16 viewers et hop, gros tournoi et tout avec des lots. Ah, mais cool. Oui, c'est votre truc Intel là, c'est ça? Non, c'est Blizzard là qui nous aide sur ça. Okay. Ouais. Trop ça bien. Cool. Les gens peuvent s'inscrire encore ou non? C'est full. Non, c'est full, c'est full. Mais il y aura du spectacle. Voilà. Trop bien. Bah écoutez, demain ça se passera chez Alpha. Moi je sais pas à quelle heure je streamerai demain. Je sais pas ce qu'on fera, ça va être fou. Et voilà, 3 ans de sub, merci Jackie. Merci Alpha d'être venu. Bah avec plaisir. Merci beaucoup, c'était trop bien. C'était enchanté. Juste trop bien. Merci de m'avoir invité. Et bon, j'espère qu'on se reverra pour recast du Age of Empire. À moi fond. Je me suis vraiment régalé, c'était top. Et voilà. Merci à toutes et à tous. Passez une excellente soirée et une bonne nuit ou alors une bonne après-midi pour ceux qui sont ailleurs sur le globe. Ciao, bye bye, c'était Alpha et Zerator. Passez une excellente nuit, merci d'avoir regardé, c'est Showmatch.